Ce mardi 27 juin, les autorités ont confirmé que le corps retrouvé sur le mont Baldy, en Californie, était celui de Julian Sands. L'acteur britannique était porté disparu depuis le mois de janvier. Porté disparu depuis le 13 janvier dernier, Julian Sands est officiellement décédé. Ce mardi 27 juin, le département du shérif du comté de San Bernardino a confirmé que les restes humains trouvés il y a trois jours par des randonneurs étaient bel et bien ceux de l'acteur britannique. Le processus d'identification du corps situé sur le mont Baldy est achevé. Le corps a été identifié comme étant celui de Julian Sands, 65 ans, domicilié à North Hollywood. La cause du décès fait toujours l'objet d'une enquête. Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour trouver M. Sands, a indiqué le département du shérif dans un communiqué relayé par le site américain Deadline. Julian Sands était porté disparu en montagne depuis 6 mois. Julian Sands avait disparu alors qu'il était parti en randonnée dans les montagnes San Gabriel du comté de Los Angeles et notamment sur le réputé dangereux mont Baldy, culminant à 1278 mètres. Malheureusement, une violente tempête s'était déclenchée le jour de son départ. Les récents orages qui ont apporté la neige et la glace ne sont pas des conditions favorables pour les randonneurs, même ceux qui ont l'impression d'avoir une grande expérience, avait fait savoir le département du shérif de San Bernardino, qui avait également déclaré que les équipes de sauvetage avaient répondu à 14 appels de secours venant de randonneurs perdus, coincés ou blessés dans la même zone au cours du mois de janvier. Julian Sands était père de trois enfants. Si les recherches du corps de Julian Sands avaient momentanément été interrompues dues aux conditions climatiques, elles avaient finalement repris il y a une semaine. Des restes humains avaient été retrouvés le samedi 24 juin par des randonneurs qui avaient immédiatement alerté les autorités. Notamment connu pour ses rôles dans Chambre avec vue, Océans 13 et plus récemment The Survivalist, Julian Sands laisse derrière lui trois enfants, Henry, né de son premier mariage avec la journaliste Sarah Harvey, et deux filles Natalia et Imogen, qu'il a eues avec la dramaturge Evgenia Sitkovits, qui partageait sa vie depuis 1990. Bye.